Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui sera la vidéo des vermifuges, un peu vlog, un peu travail à pied, machin, truc bidule. La vidéo a commencé le samedi 2 octobre et là nous on est le 9. Je vous retrouve en voix off. Je peux me faire un gros plan sur ta tête? Non, pourquoi faire? Ma Gigi. Oh, oh mon dieu. Oh Lily aussi elle est contente. Elle est énorme. Mais elle est grosse. Mais oui elle est grosse, je l'aime. Je l'aime ma Gigi. Alors là il y a du jus. Oui mais t'es grosse. Vous voulez passer? Oui. Non non tu manges pas ça Ifi, c'est pas pour toi celui-là. Ça va toi? Comme d'habitude non? Attends tiens mange celle-là. Ouais. Que je... Je vais mettre autour du coup. Tiens. J'aime pas du tout faire ça. Mais je pense qu'il la mangera pas. Hein. Tu sais, la dernière fois, il avait capté. Hein. Bah, non. Oh, il a tout recraché. Pinocchio aussi. Hein. Oh merde. Oh, oh punaise. Oh bah. Ah bah là, il est vexé de ouf là. Ah, je sais, j'aime pas faire ça, mais on est obligé. Hein. Bah oui. C'est celle deux indiens. Faut qu'on essaye de lui mettre dans la bouche et de lui lever la tête en même temps. Non, non. On n'arrivera jamais à lui sauter la bouche. Ah putain, je sais pas comment faire. Il est pas content. Comment faire lui figer son arrêt? Il y a peu de temps maintenant. Il y en a la moitié par terre, hein, mais. Du coup, vous nous voyez essayer de vermifuger les ânes. On a essayé de cacher le vermifuge dans des poires. Donc celle de Pinocchio, on a caché, mais sans vraiment cacher parce que on sait que lui, il s'en fout un peu. Et du coup, on leur a apporté, sauf qu'ils ont recraché les deux. Donc, on a ramassé les poires, on a attrapé un indien. Indien, on a essayé de lui refaire manger la poire, sauf qu'on n'a pas réussi. Donc, on lui a mis dans la, on lui a bourré dans la bouche. On était deux, donc Stéphanie, elle lui ouvrait les dents et moi, je bourrais la poire dans sa bouche pour qu'il mange. Mais ça vous voyez pas. Et du coup bah ça ça a marché. Il en a eu un peu. Et Pinocchio il a finalement mangé la poire. Enfin on n'a pas trop compris mais voilà. Sans trop forcer quoi. Sans trop forcer. Oh, bébé. C'est bon. Ça va aller. On sait que c'est bon. C'est bien. Et du coup il n'ose plus. Pinocchio ça a l'air de vraiment déranger. Ma pauvre bête. Ouais ouais ça colle hein. Ensuite on a sorti les juments. Donc pour les vermifuger. Et pour travailler Lily à pied. Pour montrer nos petits progrès de hanche. Mais ça vous verrez après. Il va sûrement sauter en l'air encore. C'était sûr. Elle est chiante comme jument. Elle est pas qu'un. Ouvre la bouche. Faut l'endormir. Ah, une fois que c'est dans la bouche. Bah, c'est ça, mais j'y arrive déjà pas, quoi. Tu veux de l'aide? Faudrait lui tenir la tête. Attends, je vais lui. T'es prête? Bah, elle était toute seule, moi, quand je tenais son aigle. Oui! Ne lâche pas. Attends. Ah! 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 Lève la tête! Oui. Elle est pas chaude du tout, elle, c'est incroyable. Purée! Lâche pas! Hein. C'est interdit, t'en as encore une entière, hein, ma Lily. Bah vas-y tout de suite, hein, right now, je pense. La dernière fois c'était déjà pareil, de hein. Toute façon c'est toujours pareil. Hein. Crache pas. Lève la tête, ma Lily. Non, je fais des souris! Oh, une souris! Allez, ma Lily, je vais chercher un bonbon. Je... Ah,
elle a pas craché sur moi. J'ai écrit. Oh. Tiens, regarde, elle m'a craché dessus. Ah. Allez, on te regarde, tu fais un spectacle, hein? Alors elle doit faire quoi là? Là, elle doit dépasser les hanches de moi. D'accord. Hanche, si elle a compris. Hanche. Hanche. Non. Est-ce que tu veux pas que je vienne t'aider? Non, j'y arrive. Ah d'accord. Hanche. Lily. Oui. Oui. Bravo ma Lily. Oui. Non mais Iphigénie. Iphigénie! Poussez-vous, madame! Allez faire votre vie ailleurs, madame! Donc, ce que vous êtes en train de voir, c'est une tentative de déplacement des hanches avec Lily. Donc, ce que vous voyez, c'était la troisième séance. Et du coup, comme vous pouvez le voir, elle y arrive très bien d'un côté, et de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Du coup, on a tenté de lui réexpliquer, etc. Et du coup, elle a pas trop mal réussi à la fin. Et du coup, à la fin, on s'est arrêté sur juste un pas sur le côté qu'elle n'y arrive pas, parce que on va pas continuer jusqu'à ce qu'elle s'épuise mentalement. Et du coup, je fais ça. Donc, j'essaye de lui déplacer les hanches vers moi pour pouvoir lui monter dessus plus facilement. Donc, elle déplace les hanches vers moi. De n'importe quel côté, et quand je suis au montois ou sur un tronc, sur un caillou, sur n'importe quoi. Elle veut manger ma poche. Marche. C'est de l'autre sens, ma Lily. Essaye de tourner un peu la... Voilà, de tourner un peu la tête, ça, ouais. C'est bien. There's no easy way to say it, babe. It's gonna hurt you no matter what. I've been trying to find no way. Been a couple dozen days. But this is all I've got. Oui. Très bien ma Lily. Ensuite on est parti en balade à pied avec les juments, donc on les a fait courir dans un pré, etc. Et notre sœur, donc Pauline, a pris des photos que j'ai mises sur Instagram. Et en poste, il y a 3 postes déjà. On a remis les jujus au pré. On a rangé nos affaires. On a remis de l'eau dans le pré. Attends, je vais y aller. Attends, reste en bas, je monte. Donc l'eau du bassin là coule dans la rigole ici. Ok. On a fait des bisous à Chacha. Ça va, Chacha? Puis nous avons enlevé la tonalisée de leur cabane, qui est plutôt une grande maison comme vous pouvez le voir, parce qu'on l'a ragrandie. Et du coup maintenant elle fait le double, et donc elle est énorme. Oh, ils sont trop beaux. Attention, moi j'ai choubidou.
C'est des moumoutes. Mais arrête, la grosse. On a vermifugé les petits pousses. Ça s'est bien passé comme vous pouvez le voir. Et ils ont tout bien pris et tout. Et on leur a donné des petites carottes après. Et c'est tout passé. Ah oui, lève-la. Ouh là 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 là. Une carotte. Une carotte, une carotte. On fait un petit bout. Attention. Et bien. Ah, il veut pas. Il veut pas la carotte. Voilà. Il gère hein. Et là regarde déplacement. T'as vu? Et après nous avons fait du petit travail à pied. Donc je voulais montrer à Stéphanie comment il faisait des déplacements latéraux. Et comme vous pouvez le voir, Jackpot bah, il a un côté plus facile que l'autre. Mais il arrive super bien. Et limite bientôt on pourra le faire au trot. Hanche? Non regarde il déplace. Hanche? Ouais il se déplace. Ah ça y est. Oui. De l'autre côté? Faut que tu le canalises parce que je crois qu'il va un peu dans tous les sens. Hein. Hanche ? Oui. Hanche ? Oui. Hanche ? Oui. Il adore travailler. Trop mignon. Je voudrais travailler aussi moi. Du coup, vous me suivez les deux, regarde. Non, il va... Ah non, il vient me voir. Bonjour. Bonjour. Oui. Ah, c'est plus dur de ce sens-là. Tu regardes ailleurs. Voilà. Oui. Hanche. Hanche. Oui. Hanche. Hanche. Oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Allez, allez. Et tu me mords pas. Je faisais comment ? Il est moins à l'aise. Ouais, beaucoup moins. Oui. Oui. Oui, 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 c'était pas mal. Oui, très bien. Oui, il est pareil, il a un côté plus facile, mais du coup, on va essayer de travailler sur les deux côtés. Et voilà, ce sera nickel. Le reculer, c'est ok. Avancer, les hanches, c'est bon. Les épaules, c'est bon pour les deux. Voilà, tout est bon. Voilà, tu vois, non, il recule. On va y arriver. Au moins, tu me feras pas. Allez. Ah, ah. Encore. Oui. Oui. C'est pas trop mal. C'est ça. C'est bien. Allez, déplace. Ne recule pas. Ah 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 ah. Oui. C'est là. Ah. Bah, c'est pas trop mal. Allez. Oui, ça c'est parfait ça. Et ah bah. Non mais. Faut des déplacements. Alors t'as compris d'un côté, mais peut-être pas de l'autre. Oui, c'est très.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.